Il nous fallait une personne pour répondre à vos petits tracas du quotidien. C'est tombé sur Julien. Voici une solution, mais pas de problème. C'est madame... Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'avais un super truc, une idée de malade dont il fallait absolument que je vous parle, mais je vais pas le faire. Alors le prenez pas personnellement, hein, c'est juste que j'ai fait la connerie habituelle, j'ai pas noté mon idée. Voilà, bah, c'est bête hein. Non mais c'est typiquement le truc qui m'arrive tout le temps, et pas qu'à moi hein. À qui c'est pas déjà arrivé d'être là, tranquillement, en train de nourrir ses zèbres, et tout d'un coup, d'avoir une super idée, une très bonne blague ou un truc d'important à faire qui vous vient en tête. Et toi, bah, alors tout confiant, tu te dis, oh bah c'est bon, oh, pas la peine de dégainer un papier pour noter ça, c'est tellement bien que je m'en souviendrai forcément. Et paf, 30 minutes plus tard, plus moyen de savoir de quoi il s'agissait. Oh, putain, alors, tout... Eh oui. Ouais, alors, ça m'arrive tout le temps. Bah voilà, tu vois, c'est pas ce que je disais. Donc merci la flemme, il faut plein de confiance en moi. En plus, j'ai vraiment aucune mémoire. Hein. Alors là, c'est le combo gagnant. Hein. Non, mais que ce soit à court ou à long terme. Hein. Tiens, par exemple, Jeannot, s'il te plaît, pose-moi n'importe quelle question qui nécessite un effort de mémoire. Ah non, moi c'est Thibaut. Oh, pardon Nico. Non, Thibaut. Ah, bon, bah voilà, qu'est-ce que je vous disais. Non, mais ça peut faire rire, en tout cas, Léa, mais je vous assure que c'est vraiment bête, parce que, par exemple, la semaine dernière, j'ai trouvé le moyen de mettre fin à la guerre dans le monde, mais ça non plus, je ne l'ai pas noté, donc bon... Bon, le seul truc dont je me souviens, c'est que c'était en fait hyper simple. Tiens, ça d'ailleurs, ça me rappelle cette blague hyper connue du gars qui rentre dans un... non, pardon, c'est une fille qui rentre dans un restaurant, et c'est une femme. C'est une femme qui rentre dans un restaurant, et elle... C'est pas un restaurant, c'est un bar. Voilà, c'est ça, c'est un bar. C'est un bar. Et donc, elle, autant pour moi, c'est un bar tabac. Donc, elle rentre et je sais plus. Non, mais je vous assure que c'est hyper embêtant ce problème de mémoire dans la vie de tous les jours. Hein. Le nombre de fois où je vais faire les cours sans me souvenir de ce que je voulais acheter, que je repars sans rien et que finalement je me retrouve sans rien à manger chez moi, tel que vous m'entendez là, ça fait 2 semaines que j'ai rien mangé. Ou alors le coup classique, hein, je rentre dans une pièce sans savoir pourquoi j'étais venu jusque-là. Tiens, la dernière fois, là, j'arrive aux toilettes et là. Impossible de savoir pourquoi j'étais venu jusqu'ici. Bon bah du coup au bout de 10 minutes de recherche infructueuse, je suis reparti dans le salon. Ah, j'avais mal au ventre, je vous dis pas. Certainement le stress de pas savoir ça. Bon du coup il fallait absolument que je me reprenne en main. J'ai donc décidé que dorénavant, quoi que je fasse, si j'ai le moindre truc qui me vient en tête, j'arrête ce que je suis en train de faire et je le note. Et je suis plutôt content de moi parce que je m'y tiens. Avant-hier, j'étais en train de conduire sur l'autoroute et là, une idée de pièce de théâtre. Alors, ni une ni deux, je pile, je descends de ma voiture et je prends note. Et c'est là aussi où je comprends pas les gens. Hein, c'est qu'ils se sont mis tous à m'insulter, à me crier que je pouvais pas m'arrêter comme ça en plein milieu. Alors que s'ils s'étaient un peu renseignés, ils auraient su qu'étant donné que j'ai pas le permis, c'est encore le mieux que je puisse faire de m'arrêter de conduire. Pas bon, les gens sont des râleurs de base, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Bref, c'est pas le sujet. Ah bah ça y est! Ça y est, ça m'est revenu. Je me rappelle comment on doit faire pour arrêter la guerre dans le monde. Alors en fait, c'est très très simple. Il faut que tous les hommes et femmes entre 17 et 32 ans... Oh non, bah, ça y est, je viens d'avoir une nouvelle idée. Ah, bah, je suis désolé, il faut absolument que je la note. Non, mais vous inquiétez pas, hein, pour la guerre, tout ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Je suis sûr que je m'en souviendrai. Bien écrit, hein, bien travaillé. Hein, voilà, bien. Merci. Julien. Julien.